La saison de chasse 2015 est terminée. Ça aura été une saison plutôt difficile que la majorité des chasseurs voudra vite oublier. Les deux derniers hivers, particulièrement très froids, ont réduit de façon importante la population de chevreuils en Ontario, au Québec et dans les provinces maritimes. Peut-être que les conditions météorologiques plus favorables de cet hiver favoriseront un taux plus élevé de survie chez les nouveau-nés et pour l'ensemble du cheptel. Maintenant que les chasseurs sont retournés à la maison, Martin s'adonne à la trappe, surtout à la trappe du castor. C'est une trail où on installe des pièges sur ma trapline. Mais les castors, eux autres, ils ont décidé de faire un étang à ce bord-là. Il y avait une calvrette. Puis ils ont juste barré la calvrette, ils ont fait une dame là, à des places à 3-4 pieds d'eau. Puis si tu regardes en bas, là, le creek, il y a comme 10 pieds de différence. C'est une place, je vais essayer de les éliminer parce qu'ils barrent là-dedans, ils barrent le chemin. Des fois, ça vient 4 pieds d'eau. Là. Je passe avec le bicycle, puis des fois, ça passe pas. Mais c'est une bataille sans fin. Là. C'est un réseau de. Le creek, il y a des castors partout. Fait que, quand les parents jettent les bébés dehors, ils descendent un petit peu plus loin dans le creek puis arrivent à des nouvelles places. Si j'ai tout pris les castors, l'année d'après, il y en a d'autres. Fait qu'on casse la dame, on met des pièges, on les trappe, on passe. La semaine après, on revient, on casse la dame, on met des pièges, on passe. Mais le chemin, il est là quand même puis il est dur. Fait qu'on passe, il y a bien de l'eau. Bien, l'histoire du Canada, c'est l'histoire du castor à toute fin pratique. Si on remonte, par exemple, même avant l'arrivée, parce que dans les manuels d'histoire, on nous dit toujours, bon, on nous parle de Jacques Cartier qui a découvert le Canada. Bien, je m'excuse, il y a beaucoup d'Européens qui sont venus ici avant Jacques Cartier, notamment les pêcheurs basques. On sait qu'ils venaient dans le golfe du Saint-Laurent, bon, puis probablement beaucoup plus loin aussi, au moins deux siècles avant Jacques Cartier. Et même si, bon, c'est une occupation temporaire, ils venaient pêcher puis retourner en Europe après, on sait que il y avait quand même des relations avec les Amérindiens et qui ramenaient des peaux de castor souvent en Europe. Donc, mais on sait aussi que les voyages de Jacques Cartier ont eu absolument aucun impact. Donc, Jacques Cartier, son dernier voyage date de 1541 et après ça, les Français ne reviennent plus ici. Pourquoi? Parce que ça ne les intéressait pas. Ce qu'ils cherchaient, c'est la route des Indes ou l'or, les richesses comme les Espagnols avaient trouvé en Amérique du Sud. Et tandis qu'ils n'avaient pas trouvé, donc après Jacques Cartier, les Français ne reviennent plus. Mais pourquoi tout à coup, vers la fin du 16e siècle, début du 17e, les Français décident de revenir? C'est à cause du castor. C'est pour ça qu'on voit que l'histoire, des fois, ça prend des tournants bizarres. C'est qu'à la fin du 16e siècle, vers 1598 pour être plus précis, il y a un phénomène important qui se produit en Europe, un phénomène auquel on est habitué maintenant, mais qui était plus rare à l'époque, c'est un changement de mode. La mode change. Ce qui devient la mode, c'est les chapeaux de feutre. Et les chapeaux de feutre, c'est fait avec des peaux de castor. Mais à cette époque-là, le castor est pratiquement, en tout cas, pas disparu, mais devient très rare en Europe. Okay? On a de la difficulté à s'approvisionner. C'est à ce moment-là que des commerçants français se souviennent des voyages de Cartier, des comptes rendus des voyages de Cartier, où Cartier mentionnait qu'il y avait une abondance de castor, ici qu'il avait trouvé ça. Et là, la France, qui jusque-là, c'était pas du tout intéressée au Canada, là, ça devient intéressant. Donc, c'est des hommes d'affaires, des compagnies, qui décident d'envoyer des expéditions pour s'approvisionner en castor. Et c'est dans ce contexte-là que Champlain va arriver. Martin s'adonne à la trappe. Il profite des températures plus douces pour installer des pièges sur le lac, étant donné que la glace n'est pas encore au rendez-vous, du moins pas partout.
Trapper le castor de cette façon, au mois de décembre, c'est plutôt inhabituel. Trapper des castors dans le mois de décembre, les chemins de boucherie. Très, très rare. Dans les années bien froides. Oui. Mais quand c'est un grand lac, fait que c'est moindrement pas trop fret, là, il gèle pas. Pas de bonheur. L'année passée, c'est une exception. Quand t'étais ici et gelé, là, c'est en novembre, on n'avait jamais vu ça. On vient de faire une installation des entrées de la cabane pour les castors. Puis quand on est arrivé, le castor est sorti, fait qu'on sait que c'est actif, là, il y a une grosse réserve, il y a plein de bouts de bois mangés. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? C'est le castor, on va mettre dans notre assiette demain. Je suis à peu près sûr qu'on va le pogner. Puis c'est le fun de savoir, quand si tu gardes ta viande, c'est le fun de savoir que ça fait pas 7 jours que le castor est dans le piège. Donc, je suis pas loin du lodge, j'ai à peu près 1 km en bateau, même pas. Fait qu'on a des chances de prendre ce castor-là. On va le débiter, on va enlever la fourrure avant. Après ça, dégraisser, débiter. Puis on met ça dans le rôtissoir. Hé, hey, le castor! Attends, là, attends, saute pas à l'eau, c'est froid. Et juste pour revenir en arrière un peu, chez les Autochtones aussi, le castor était très important parce que ça représentait le travail, la persévérance, etc. Et dans la mythologie amérindienne, le castor, bon, c'est le lien entre l'eau et la terre. Et dans la mythologie, là, le castor est l'ancêtre du canot d'écorce. Parce que dans la mythologie, c'est que le castor qui sort de l'eau se transforme en canot d'écorce. Donc, il y a tout un... c'est vraiment fascinant tant qu'on regarde l'histoire du castor, parce que c'est l'histoire du Canada. C'est pas compliqué, c'est l'histoire du Canada. Après une soirée tranquille, passée au lodge, le lendemain matin, Martin et Jean-François sont de retour sur le lac. Ils espèrent bien trouver un castor dans un de ces pièges installés la veille. Un ingrédient essentiel pour la préparation du repas de ce soir. Oui. Oui. Il est là. Bien, hier soir, en finissant notre journée, on était venu installer notre piège à castor. Le castor qu'on voulait manger. C'est le fun que de savoir qu'il vient d'être pogné. On est arrivé un matin, tout de suite, première chose. Puis comme de raison, il était dans le piège. C'était assez évident. Là, on voyait les deux sorties. Puis je n'avais installé qu'une, puis j'avais juste un support. Là. Fait que... c'est un beau castor. Voilà. Je peux même voir que... quand on est arrivé hier pour installer... il avait sorti tout de suite, puis on l'avait vu sortir. Donc, si on regarde dans sa bouche, là, il est mort avec une branche dans la bouche. Il est allé chez sa réserve de branches en avant, son garde-manger pour l'hiver. Qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'il va couper des petits morceaux après ça, il rentre dans la cabane, il mange l'écorce, puis il ressort le bâton. L'écorce qu'il a mangé, là, il le ressort dehors, on peut voir dans le fond, c'est plein, plein, plein de petits morceaux. Petits morceaux longs de même, blancs, puis d'écorce. Là. Fait que l'hiver, c'est ça qu'ils font, ils sortent de la cabane. Tu te promènes à l'entour de la mât de branche du garde-manger. Fait qu'est-ce qu'on va faire quand on éteint l'hiver? On éteint tout le tour de la mât. Si on ne sait pas ce qui sont les rentrées et les sorties, rendu au mois de février, cette année c'est du bonus, là, mais rendu au mois de février, là, la mât de branche vient toute limoneuse, là, moins bonne. Fait quand tu mets un appât de frais, de trempe frais, là, tu peux pas te tromper.
Fait que. C'est ça. Ça fait drôle, on est rendu le 7 décembre, puis on trappe le castor en bateau. J'ai même pas de manteau sur le dos aujourd'hui. Fait qu'on va sortir du piège, puis on va rester là, puis je pense à. D'habitude, à la grosseur de la motte branche, là, tu peux savoir combien de castors. Tu peux deviner combien de castors qu'il y a dans la cabane. Tu peux en avoir combien ici, plus qu'un? Oui, ça, pour moi, il y a 4 castors, c'est peut-être une famille. Là. La cabane n'est pas trop grosse, mais aussi, vu que c'est des bankers, là, c'est dur à dire la grosseur de la cabane parce qu'il peut y avoir un tunnel qui monte en dessous de la terre. Là. Puis là, j'ai vu qu'ils ont coupé un gros érable. Là. Fait que l'érable de terre, si tu vas, mais qu'il y a de la glace, moi, je passe, je me tiens ça, je coupe en bûche. C'est le fun, eux autres, ils le jettent à terre puis ils le branchent. Moi, je passe, je fais des bûches, puis. Fait que non, c'est un gros amas de branches, là. C'est quoi? C'est une glande, ça? Ouais, ça, c'est des huileuses qui pêchent. On va les mettre comme ça. Et c'est là, la plus longue qui l'huile leur fourrure. Ouais. Mais j'ai fini, on a fini de filmer, il m'a coupé, il voit, l'huile va sortir. L'huile graisseuse, graisseuse. Ils rentrent leur griffe là, puis c'est avec ça. Ça release. Je pense pas qu'ils rentrent leur griffe, ça. Pour moi, ils release là. Ouais. Stuff. Il met le griffe qui est comme le pain. Regarde, la griffe est double. C'est la griffe double, c'est avec ça qu'ils mettent l'huile sur leur peau. C'est ça, c'est le pain. Lui, il se fait combien de temps qu'il est là? Une semaine et demie. Deux autres, j'ai fait la semaine passée, j'ai pris la semaine passée. On a une loutre, un castor aujourd'hui, une marthe, beaucoup de castor. Puis demain, on va aller voir les pitchs. Tu sais, les chapeautiers, là, ils faisaient des chapeaux de castor. Là. Ouais. Ça avait pas l'air de la fourrure. Là. C'était quand même feutre. Ça. Ils chiquaient ça, les chapeautiers. Avec du mercure. C'est de là que ça vient l'expression mad as a hatter. Ok. Il venait fou à cause de la pure. Tous les chapeautiers étaient sautés sur terre. Mad as a hatter, a hatter. Les piles dans notre sac, là, c'est haut. Cuir sur cuir, poil sur poil, cuir sur cuir, pour pas que le gras, parce qu'il reste toujours l'huile, là, sur le cuir. Pour que ça. Donc, vous êtes en train de ce qu'on appelle le dégraisser. Ça fait le dégraissage, ça, toutes les résidus qui ont resté sur la peau. Bon, ben là, comme on va penser, le dernier piège qu'on a posé, là, on est arrivé le matin et le castor était dans le piège. Fait qu'on sait que ça fait moins de 12 heures. Fait qu'on est revenu tout de suite dessus le lac. J'ai tout de suite plumé, puis là, on a découpé la viande. Là, on va se faire une bonne cuisse de castor pour souper. Puis j'ai enlevé les backstraps. Puis les backstraps, JF va faire des bins avec. On va mettre ça dans les bins, puis ça va être super bon. Je suis en train d'enlever les tendons. Tu vois-tu, là, toutes les petites lignes bleues, là? Ouais. Ça, là, quand ça cuit, là, ça vient dur, 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 une balle de golf. Pas trop intéressant dans l'assiette. Fait qu'on essaye de. Il y a un bout de tendon, c'est des tendons. Les tendons sont toujours au ras la pâte, parce que tout ce qui fait les articulations, là, ça n'est tout des tendons. Huile d'olive. Pas trop fort du sel, j'aime pas ça saler ma viande avant de faire cuire parce qu'elle vient trop stiff. Puis, j'ai un petit peu de moutarde sèche.
faut juste la saisir dans la poêle. Tu veux ta poêle bien chaude. Là, j'ai mis le rond, là. Au fond, les ronds. Tout que j'ai enlevé là, sous ma cuisse, ça va direct dans, comme ma pas d'un piège de main. Tu sais, c'est un gros gaspillage. Ça sent déjà bon. On va juste faire le croûter. Ça fait comme des cubes, c'est les backstraps. Les backstraps, c'est les muscles sur le top du dos. Je vais couper un doigt là. Je vais faire 4 tranches de pince. Je vais mettre ça en dessous de ma cuisse. Ok. T'as si ta cuisse, c'est les oignons. L'autre moitié d'oignon. On va juste le faire champer mince. En 1934, le gouvernement québécois va interdire la trappe du castor parce qu'il était en voie de disparition. Mais là, depuis quelques décennies, la population de castor est en train de se régénérer et on le retrouve de plus en plus près des villes. Et même souvent, ça pose des problèmes là, parce que ça pose des inondations, etc. Mais c'est pour dire que le castor, c'est le Canada, c'est l'histoire du Canada.